De basse in type, à la recherche d'identité. Grandi dans une zone prioritaire, donc chaque jour qu'elle met un pied dehors, sa mère est inquiétée. Elle a pas de père, son grand frère est béton, c'est embêtant. Sa mère a la mentalité du bled à l'ancienne, c'est une heja. Elle est toute belle, elle fait tourner la tête. Elle sait pas que chaque mec qui lui parle veut faire chose qu'elle. Un manque de repères, elle se recherche. Elle est discrète, à l'école c'est une tête. Tout le monde lui tourne autour jusqu'au moment où le mauvais l'a chopé. Il lui comble le manque, il remplaçait son grand frère incarcéré. La différence c'est que lui trafique pas, il est réinséré. Elle voulait du sérieux, il voulait juste la serrer. Elle a saigné, il a eu ce qu'il voulait d'elle puis la scellée. Elle était clean au départ, mais donna vite dérapé. Elle voulait des bras, mais les humains l'ont baladé. Tu la voulais près de toi, avec elle faire la paire, mais elle t'a laissé le cœur par terre. Elle était clean au départ, mais les humains l'ont baladé. Tu m'as pas habillé. Ouais, pourquoi? T'as vu, frère, je viens de parler, à une fois. Je suis le mec de Donna. Mais c'est ma voisine, wesh. Alors c'est la voisine, frère. Je vais t'expliquer un truc, tu vas arrêter de parler et tu vas arrêter même de la regarder. Détends-toi, frérot. Détends-toi, je suis en train de te parler français là tout de suite là. T'as vu? Tu vas arrêter de lui parler et tu vas arrêter de la regarder. Tu comprends? T'as 6000 dans ta tête ou pas? Tu vas faire quoi sinon? T'as un chaud toi? Hein? T'as un chaud, je vais t'écraser ta tête, tu comprends ça? Je vais t'écraser ta tête, je vais te parler ta race. Je vais te détruire. Mais comment? Vas-y. T'as un chaud toi. Vas-y. T'as un chaud toi. Vas-y. Fils de pute. Gros fils de pute. Ça y est, t'as fait ton temps. Tu veux te caser, faire des gosses, rattraper le temps. Rue du haram, t'as pris la sortie sans mettre les clignotants. Elle a patienté toute ta peine, elle en fin de grossesse, tout est bon. Maintenant que t'es dehors, que tu comprends les rênes, elle est belle, mais attends. Quand toutes ces années passées toute seule, en vrai, elle a pas supporté. Elle voyait le voisin d'à côté, de temps en temps, il a sauté, t'as grillé les textos. Elle expliquait ses patquets qu'elle doutait, mais là c'est mort. Elle a 9 mois et elle peut même plus avorter. Tu relèves, tu pètes un câble, sous la folie, tu prends ton calibre, tu la calmes. Et tu vas arrêter même de la regarder. Fils de pute, gros fils de pute. Tu la calmes, en une minute t'as niqué deux vies, pris la fuite sans bagage. Partout tu fais la une, tu réalises, mais le temps passe. Et sur place y'a déjà la BRI, et pète la porte, on apporte. Elle était clean au départ, mais donna vite dérapé. Elle voulait des bras, mais les humains l'ont baladé. Tu la voulais près de toi, avec elle faire la paire, mais elle t'a laissé le cœur par terre. Elle était clean au départ, mais les humains l'ont baladé. Elle était clean au départ, mais donna vite dérapé. Elle voulait des bras, mais les humains l'ont baladé. Tu la voulais près de toi, avec elle faire la paire, mais elle t'a laissé le cœur par terre. Elle était clean au départ, mais les humains l'ont baladée.